Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Un vlog maîtresse rangement de mon bureau. Puisque là, mon bureau, c'est un vrai calvaire. Alors, je vais ranger un peu tout ce qui traîne sur mon bureau. Mais je vais surtout ranger tous les livres que j'ai, qui traînent. Mes livres d'école que j'ai récupérés dans ma classe, pendant mon déménagement, etc. Bon, bref, je vous montrerai après. Je vais essayer de vous inclure une petite vidéo d'avant mon bureau, avant de déplacer mes meubles. Et puis comme ça, après, à la fin, je vous montrerai un peu le résultat, les meubles, comment ils sont mis, comment j'ai rangé, comment j'ai essayé de trouver de ranger de façon stratégique. Je vais aussi vous montrer un peu tous les trucs que j'ai récupérés dans ma classe, même si j'ai pas tout récupéré. J'ai des choses qui m'attendent encore dans ma classe que je dois aller récupérer, dont des classeurs de CM1 avec toutes mes fiches de prep, tout ça de CM1 et même des autres niveaux, hein. Je crois que je les ai pas récupérés, hein. Tous mes classeurs en tout cas avec mes fiches de prep du CM1, CP, etc. Tout est encore à l'école, donc ça je vais aller les récupérer très prochainement. J'ai hâte d'ailleurs, donc il va falloir que je fasse de la place dans mes étagères pour recevoir mes classeurs, pour les récupérer et les mettre dedans. Donc en tout cas, je vais essayer de trier un petit peu avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce style de vidéo, si vous voulez une prochaine partie avec justement mes fameux classeurs de préparation, etc. ou pas du tout. Et n'hésitez pas à liker, du coup dès maintenant, comme ça je saurai si ça vous intéresse ou pas. Bon allez, let's go pour le rangement. Comme vous pouvez constater, c'est clairement le bazar, surtout sur mon bureau là-bas, hein. Tout ça c'est un peu le bazar, faut que je range. Et voici tous les sacs que j'ai récupérés. Alors ça c'est 3 sacs que j'ai récupérés dans ma classe quand j'avais un petit peu récupéré des petites choses. Et ça c'est des livres d'école que j'avais déjà lors de mon déménagement, que j'avais déjà mis en carton. Et du coup qui sont là, donc il va falloir que je trie tout ça et que je fasse surtout de la place ici pour pouvoir mettre tout ce bazar là. Et pour pouvoir laisser aussi un peu de place pour mes futurs classeurs dont je vous parlais tout à l'heure, que je dois récupérer à l'école encore. Ça va être chaud, hein, parce que c'est déjà bien rempli. Bon, après là, faut savoir qu'il y a des boîtes qui sont vides. Hein. Là, il y a des boîtes vides, donc je vais pouvoir les remplir. Mais bon, il y a des boîtes pleines aussi avec tous les papiers, la paperasse, voilà. Donc on va faire ça tout de suite. Bon, là j'ai fait des pré-tris, là-bas c'est des livres qu'il faut que je descende dans la bibliothèque avec tous les livres de mes enfants. Là, vous avez tout ce qui est Becherel, dictionnaire, etc. Là, tout ce qui est manuel de CP, comme vous pouvez constater, j'en ai beaucoup. Là, tout ce qui est manuel de l'enseignant, CE2 à CM2. J'ai beaucoup de manuels aussi de CM1, etc. mais ils sont dans ma classe, donc je les récupérerai prochainement. On a quoi? Ici, des affichages que j'avais fait avant dans ma classe. Là, faut que je trie, c'est des documents... je sais pas trop en fait, je pense que c'est aussi des affiches, faut que je regarde un petit peu ce qu'il y a. Là vous avez vu, c'est le classeur que j'avais quand j'ai été enseignée un mois au Canada. Donc c'est les petits documents que j'avais, donc il y a 3 classeurs. 2 pour mon enseignement au Canada et le 3e ce sont des séquences pédagogiques en EPS. Hein.
Et ici, vous avez des documents aussi qu'il faut que je trie, qui sont des choses que j'avais dans ma classe de CP. Donc, il va falloir vraiment que je fasse un gros tri et que j'essaye de caser ça, donc comme je vous ai dit, dans mon armoire ici. Donc, c'est pas gagné. Et en sachant qu'il m'en manque encore beaucoup qui sont dans ma classe. Donc, vraiment, il va falloir que j'arrive à trouver une solution. D'ailleurs, pour les enseignants ou les jeunes enseignants, sachez que ces éditions-là de ces livres de la collection Retz sont juste trop, 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 trop bien. Quand on débute, on peut trouver que des bonnes choses à l'intérieur. Et il y a aussi ceux-là de chez Retz. Hein, vous voyez, je suis très fidèle à Retz, qui sont vraiment très, très, très bien. Ils coûtent un peu cher. Hein. Je crois que ceux-là, ils coûtent 50 €. Hein, si je me trompe pas, ils sont vraiment chers. Et ceux-là un petit peu moins, il y en a que j'ai acheté avec mon budget, il y en a d'autres que j'avais acheté avec mon budget de classe. Et voilà, je les garde précieusement parce que ça, c'est vraiment des mines d'or. Pour ma première année d'enseignante et mes 2 premières années, j'ai beaucoup utilisé ce livre-là qui m'a pas mal aidé, qui m'a un peu orienté, qui m'a permis de, voilà, de savoir un petit peu si j'avais des choses que je n'étais pas sûre, pardon, bah j'utilisais ce livre-là pour me renseigner. Et alors ça aussi, c'est des éditions que logiquement les enseignants connaissent bien. C'est de chez Atier Pédagogie. C'est vraiment des mines d'or encore une fois. En revanche, j'ai beaucoup de choses à lire. Vous en avez aussi pour les mathématiques, etc., qui sont vraiment des grosses, grosses mines d'or que je n'ai pas à la maison, mais que j'avais lues à l'époque, au début de mes premières années. Donc je vous les conseille aussi, encore une fois. Ces livres-là sont aussi une mine d'or. Vous avez tous mes petits livres chouchous. Hein. C'est les premiers livres que j'ai pris parce que je voulais pas les perdre, ceux-là. De la collection, l'édition Access aussi coûte très cher, je crois, ceux-là. Hein. Comme je suis nulle en EPS, hein, je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo au tag enseignante, et ben du coup j'avais ça pour m'aider. Ça m'a pas mal aidé pour le CM1, même si comme je vous ai dit, j'essaye de me faire aider par les collègues. Vous avez vu, il y a des petites séances assez sympas pour vous donner des petites idées, les objectifs, ce qu'on attend. C'est vraiment, vraiment bien fait. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ensuite, tout à l'heure, je vous ai montré celui-ci, Atelier d'écriture, aux éditions Milan. Mais il est juste trop, trop bien ce livre. Alors attendez, je vous montre. Et je l'ai beaucoup utilisé quand j'étais en CM1 en fait, parce que ça permettait de travailler la production d'écrit mais de façon très ludique et de réaliser des petits documents comme ça très sympas. Par exemple, invente ton livre trésor. Il y en a un que j'ai fait, alors attendez, c'est lequel que j'ai fait avec mes élèves? Pour réaliser des affiches, leur donner des thèmes, par exemple réaliser son article de journal, ça permet de travailler bah, comment c'est fait, la mise en page, etc. pour après nous le faire nous-mêmes. J'avais adoré faire ça avec mes élèves, hein, j'avais fait ça pour l'affiche. J'avais pas mal travaillé sur l'affiche de spectacle. Oula, ça va partir, ça va partir. Reste photocopié à l'intérieur, mais voilà. Il y a des petits exemples d'affiches et après à nous d'analyser et puis on faisait la nôtre. C'est vraiment un bon livre, ça, chez l'édition Milan. Bon, je viens de mettre la main encore sur un nouveau carton. Là, je pense que c'est mes fameux livres de CM1 que j'avais pas retrouvé. Alors. Ah! C'est mes livres, mais cette fois c'est les livres, c'est pas les livres manuels en fait, c'est tout ce qui est livres bibliothèque, littérature de jeunesse. Ah, enfin, je vais retrouver une petite place aussi. Bon, je vais pas tout déballer, je vais pas tout sortir, mais voilà, il y a tous mes livres de littérature de jeunesse. D'ailleurs, il y a des livres qui viennent de l'association. Lire c'est partir, si je me trompe pas, oui. Lire c'est partir, c'est une association que vous trouvez sur internet ou même dans certaines grandes villes, pardon. Et c'est 80 centimes le livre. Enfin, en tout cas, à l'époque c'était 80 centimes. Je pense que ça n'a pas changé. Au pire, ça doit être 1 €. Et du coup, voilà, j'avais acheté plein, plein de livres. J'en avais offert à chaque fois à mes élèves chaque année, parce que bah, je trouvais ça trop bien. Et vous avez plein, plein de livres, vraiment bien. Et même ça aussi, c'est 80 centimes. C'est des CD du coup avec les histoires. Et j'aimais beaucoup leur faire écouter ça, surtout en CP. C'est vraiment pas mal, donc là il va falloir que je leur trouve une place. Parce que c'est vrai que je les avais pas mis dans la bibliothèque de mes enfants, puisque c'est pas adapté à l'âge de mes enfants. Il y a même en anglais, là, c'est un livre en anglais celui-ci. Sur Lire c'est partir, vous pouvez aussi avoir ce format-là de livre qui est un peu plus fin, mais qui sont vraiment bien, quoi. Surtout pour des petites lectures sympas, pour avoir une bibliothèque un peu complète, ils sont vraiment, vraiment sympas. Hello, on se retrouve pour la suite de ce vlog rangement de mon bureau. J'ai pas mal avancé avec ma maman la dernière fois. Alors entre la première partie et cette partie, il y aura eu 2 semaines. Hein. J'ai avec ma maman tout retrié ici au niveau des boîtes. J'ai remis des étiquettes avec bah, ce qu'il y avait à l'intérieur, tout ce qui est pédagogie. Il y a les photos de classe de toutes mes années d'enseignement. Il y a quoi encore? Mes documents sur le handicap. J'avais fait mon mémoire dessus à l'époque du master, après il y a mes affichages, etc. Donc j'ai essayé de tout retrier.
Et aujourd'hui, mon objectif, ça va être de trier. Il y a mon fils qui est à côté qui essaye de voir. Attends, Nanou! Mais attends, tu verras après. D'accord? Après, maman la montre. Mon objectif du jour, c'est de trier tous mes livres ici que vous voyez de CP. Parce qu'en fait, j'en ai récupéré dans ma classe. Je vous remettrai mon weekly vlog où je suis retournée dans ma classe. Donc, j'ai récupéré au moins 15 sacs de classeurs à moi et de livres, etc. Je ne pourrai malheureusement pas tout mettre mes classeurs là. C'est impossible. Mon armoire est trop remplie. Mais je voudrais mettre quelques livres ici. Donc, mon objectif, c'est de trier les livres de CP parce que j'en ai beaucoup trop et laisser de la place pour ceux de CE1, CE2, CM1, CM2. Si vous avez vu mon autre weekly vlog, cette fois-ci où je vous annonce mon niveau de classe, et pour celles qui ne l'ont pas vu parce que ça ne les intéresse pas, mon weekly vlog, eh bien mon nouveau niveau de classe c'est un CM1, CM2, donc c'est pour ça qu'il va falloir que je mette en place dans mes petits livres derrière là, dans mes petits stockages ici, des livres sur le CM1, CM2 pour avoir des petites ressources à la maison, et j'en garderai une autre partie pour ma classe, ma future classe, puisque oui, j'ai eu depuis la réponse et j'ai eu un poste dans ma ville. Donc juste dingue, dans ma petite ville, et j'ai eu un poste donc définitif de CM1, CM2, donc c'est juste trop trop bien, même si je vous avoue, comme je vous l'ai dit dans mon vlog, ça me stresse un petit peu le CM1, CM2, puisque j'ai déjà fait du CM1, mais pas forcément du CM2. Bon, je vais continuer mes petits rangements avant que mon fils mette le bazar partout. Voici le gros sac que j'ai ramené donc avec tous mes livres qui étaient dans mon ancienne classe. Là, j'en ai quelques-uns encore ici. Ça, c'est ceux que j'ai récupérés dans ma nouvelle classe pour préparer mon nouveau niveau. Ici, donc dans mon armoire, comme vous pouvez le constater, donc j'ai bien trié, mais il n'y a pas beaucoup beaucoup de place. Il doit rester là ces deux petites pièces-là de vide où je vais pouvoir mettre des documents. Et sinon, voilà. Donc c'est ça, je vous disais, là, c'est tous mes livres de CP. Il va falloir vraiment que je trie. Je vais en donner à mes collègues parce que ben, j'en ai beaucoup, beaucoup trop. Et ça va pas être possible. J'aimerais bien rajouter ceux de CE1, CE2, CM1, etc. Donc, je vais pouvoir faire ça. Ici, j'ai rangé comme ça. Ici, j'ai mis tout ce qui était papier de scrap. Bon, après, je vous montrerai un peu plus en détail. J'ai essayé d'être un peu plus organisée. Donc, j'essaierai de vous faire une vue d'ensemble à la fin de ma vidéo. Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Bon, après plein de rangements et plein de livres mis sur le côté, j'ai réussi à trier un petit peu. Je vais essayer de retrier encore parce que là, j'ai réussi à mettre du CP. Au CM2, mais je vous avoue que c'est un peu serré et je pense qu'il manque quelques livres que j'ai mis sur mon bureau. Donc il va falloir que je fasse encore un peu de place. J'essaye d'enlever les livres en fait que j'ai pas forcément besoin et dont je ne suis pas super fan. Il y a des marques que j'apprécie particulièrement comme CapMat, etc. Donc j'arrive pas à m'en séparer. Mais il y en a d'autres voilà, que je peux peut-être trier. J'avoue qu'en CP j'ai trop trop de livres. Tous ceux que j'ai mis de côté, là, les livres que j'ai mis de côté, je les ramènerai dans mon école et je les donnerai à mes collègues au cas où ça les intéresse. Sinon, on verra bien ce que j'en fais. Là, c'est tout ce qui est découvert du monde pour le cycle 3. Donc, j'espère que ça va me servir pour cette année qui vient. Non. Donc, on continue le rangement. Coucou, on se retrouve pour la fin de cette vidéo bureau. Je vais maintenant vous faire une sorte de mini room, pas room tour, bureau tour, juste pour vous montrer un peu le bilan. Et je vais juste ranger aussi mon bureau ici parce que j'ai entassé finalement quelques petites choses. Cette vidéo, je l'ai commencée fin juin et je la termine fin août, tout est normal. Je suis organisée dans la vie quotidienne, j'essaye de l'être un maximum, mais je vous avoue qu'au niveau rangement, je suis un peu maniaque, mais dans mon bureau, c'est un peu l'espace où je mets tous mes trucs, mes colis que je reçois. Là, par exemple, j'ai des trucs Dress Lily que je dois vous tourner, donc je les mets là, j'ai tendance à entreposer comme ça et à ranger.
que quand c'est un peu le bordel. Donc ne m'en veuillez pas si cette vidéo a été longue à arriver. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira. Comme je vous l'ai déjà dit, je sais plus, n'hésitez pas à la liker tout de suite. Et puis, je vous laisse avec le bureau tour. Donc voilà, quand on rentre dans ma chambre, alors là vous avez mon ring light, mon trépied, le petit tapis comme ça d'éveil pour mon fils, et ici ce sont des choses de chez Dressily qu'il faut que je vous tourne en vidéo, mais sinon le reste c'est mon bureau. Donc vous avez deux armoires comme ça, deux étagères de chez Ikea, avec des boîtes de chez Ikea tout en haut comme ça, où je range pas mal de bazar, et j'ai noté ici ce que c'était, papier important, notice de tel ou tel truc, coque d'iPhone, etc. Ici, toute cette étagère-là, j'ai décidé que ça allait être que des choses de scrapbooking, mes planners, mes memory planners. Vous voyez, là, il y a mon futur memory planner, mon ancien planner, appelé planner. Je vous renvoie à ma vidéo memory planner, hein, si vous savez pas ce que c'est. Mes washi, là, qui sont dans des boîtes comme ça, et puis des cartes de Project Life, etc. Des planners, mais en format agenda, classeur, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom. Et ici, tout ce qui est papier, de scrap, ici aussi dans les boîtes actions, il y a des petits papiers, etc., qui sont rangés. La deuxième étagère, donc toujours les petites boîtes. Ici, que des papiers importants par rapport aux banques, aux achats, de la maison, etc. Ici, on commence par tout ce qui est mes papiers à moi. Donc la feuille blanche, feuille colorée. Vous avez ensuite des papiers par rapport à l'éducation nationale. Encore avec le notaire, des factures de meubles. Et là, c'est que pour l'école, donc tout ce qui est documents PEDA sur le handicap par rapport à mon master, documents PEDA sur la littérature de jeunesse, mes affichages plastifiés, du CE1, du CP, etc. Là, j'ai des trucs d'anglais, faut que je mette l'étiquette anglais, j'ai oublié de le noter. Et là, c'est tout ce qui est bulletin d'information, programme scolaire. En dessous, vous l'avez vu, je les ai rangés, c'est tous mes livres du CP au CM2 avec mes guides pédagogiques aussi. Et tout en bas, vous avez des boîtes comme ça que j'ai recyclées. C'était des boîtes de, je ne sais plus, c'était la box que j'adore, je crois. J'ai recyclé pour mettre tout ce qui est scrap, die cut, vous voyez, stickers, des stylos, des petits, sa box estivale, en fait, c'est des stickers, c'est un peu sur l'été et tout ça. Et ça, ce sont des livres que je n'arrive pas à arranger encore pour l'instant. Au-dessus de mon bureau, vous avez ma petite carte comme ça, Mappyful, dont je vous ai parlé dans un haul action que je vous mettrai ici. Je vous mets le lien et le code promo Karine Miss Book 10 pour avoir un code promo de 10 euros si ça vous dit, de 10% pardon, si ça vous dit de commander une carte comme ça sur New York, Londres, Paris, ce que vous voulez comme ville du monde entier. Et j'ai plus qu'à, en fait là, elle est posée sur le petit meuble là action, mais je vais l'accrocher très prochainement. Deux étagères comme ça de chez Conforama, qui sont moins chères que chez Ikea pour info. Et puis elles sont plus petites en fait, et c'est ce que je voulais comme taille. J'ai mis toutes mes petites décos au Disney. Alors je suis pas une grande fan de Disney, mais j'avoue que j'ai pris que j'avais craqué pour tout ce qui était sur La Belle et la Bête, parce que c'est un de mes dessins animés préférés. Du coup j'avais acheté quelques petites décos, et celle d'Aladin aussi que j'aime beaucoup. Donc j'ai mis ça ici histoire d'avoir une petite touche un peu Disney, girly, enfant, mignonne quoi. Mon bureau se présente comme ceci. Donc là vous avez du scrap en fait à l'intérieur. Ce sont, hop, mes tampons de scrap, voilà, des trucs de scrap, des encres, des petites choses de scrap. Je trouve ça très pratique, très sympa. J'avais acheté chez Action il y a quand même quelques temps maintenant, donc je pourrais pas vous dire si c'est possible de retrouver. Vous avez quelques petits livres ici de nail art, de beauté. Ici, des petites cartes de Project Life. Sur le côté, là, c'est tout ce qui est stylo, mes petits trucs à moi, hein, mes petites babioles, ma nouvelle imprimante dont je vous ai parlé dans ma vidéo organisation, impression, et mes nouvelles cartouches d'encre grâce au HP Instant Ink. Je vous mets tout en barre d'infos. Ici, ce petit lot là, comme ça, un peu marbre, j'ai trouvé chez Action pour pas très cher. Je trouve ça très sympa pour mettre tout notre bazar ici, les petits crayons. Ici, j'ai mis toutes mes clés USB. Le miroir, il va pas rester là, pour l'instant il est là, mais il va aller dans ma salle de bain dès que j'aurai pu la ranger. Ici, des livres que Céline, une abonnée, m'a offert dans un colis. Vous verrez un haul vintage qui est juste magnifique, honnêtement divin. Et du coup, je suis trop contente d'avoir tout plein de nouveaux livres de l'école des loisirs, une édition que j'aime beaucoup. À côté, vous reconnaissez peut-être, c'est moi et chérie, c'est un portrait de Gilles. Je vous mettrai sur Instagram juste ici, et je vous proposerai très prochainement sur Instagram de gagner vous aussi un portrait de vous, de vos enfants. En dessous là, vous avez un petit portrait de mon fils. Je vous montre pas parce que chérie ne veut pas, mais voilà, et Gilles m'a fait tous mes enfants en fait en version dessinée comme ça, et vraiment je vous invite à aller le découvrir sur Insta, lui même sur Facebook, je vous mettrai tout en barre d'infos. Il fait des portraits comme ça personnalisés, il peut vous les envoyer chez vous, ça coûte vraiment pas cher. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à lui dire que vous venez de ma part, et je vous fais gagner de toute façon votre portrait ou celui de quelqu'un que vous aimez très vite sur Instagram, hein. Je vous mets mon Instagram ici.
Vous avez mon bureau, c'est un bureau Ikea que j'ai un peu construit moi-même avec les deux fameuses étagères, je ne sais plus comment elles s'appellent, Alex ou un truc comme ça, et une planche. Vous voyez qu'elle est plus petite que la base parce qu'à la base il était plus petit mon bureau, mais c'est moi qui ai décidé de l'agrandir et de faire comme ça pour que ça rentre pile poil avec mes étagères et que ça fasse tout le mur. Sous mon bureau, vous avez du bazar, hein, on essaye de cacher la misère un petit peu. Des boîtes de scrap, beaucoup de scrap, ça c'est mon classeur de Project Life, des albums photos que j'ai en cours en fait, que je mets là, mais que je veux terminer. Dans mes tiroirs, on va passer vite, hein. Du washi, action, des stylos, mes trousses, ils sont trop magnifiques. Des washi. Et le truc en dessous, c'est le truc de cuisine de chez Ikea. Je trouve ça trop pratique, quoi, mais j'en ai tellement qu'il n'y a pas assez de place dedans. Ensuite, ici, c'est tous les albums de naissance de mes enfants, les albums en cours, les photos que j'ai imprimées sur LalaLab, etc. Ici, vous avez tous les, vous avez les fils pour charger mon ordinateur, pas mon ordi, pour charger surtout mon appareil photo, enfin tout ce qui est câble, et ma petite imprimante dont je vous parlais dans ma vidéo Memory Planner, ma Canon Selfie, que j'aime trop 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 pour imprimer mes petites photos. Et en bas, c'est tout ce qui est en rapport avec le bullet, tout ce qui est feutre pour le bullet, voilà, les Posca ici, tout ça, c'est mon petit matériel pour le bullet, pour une création. De l'autre côté, vous avez le premier tiroir, c'est tout ce qui est outils utiles, scotch, colle, tout ce qui est, voilà, un peu de la papeterie, taille-crayon, etc. Ensuite ici, vous avez tout ce qui est petits carnets, donc là, il y a tous mes petits carnets à moi qui sont vierges ou pas, c'est tout ici, et mes enveloppes. Ici, tout ce qui est tampons de scrap, alors j'en ai un millier, hein, et du coup, voilà, tout est là. Et pour finir, ici, tout ce qui est encore petit truc de scrap, petit détail pour faire mes créations en bois, et un petit massicot qui est pas terrible, terrible, hein, voilà, tout ça c'est là aussi. Des choses de scrap, des espèces de morceaux de bois là comme ça que j'avais acheté chez Action, des fils pour faire des créas, enfin, tout ça c'est scrap. Hein. Voilà, j'ai plus de place dans ma caméra, je vais aller faire vite ce montage pour que vous l'ayez vite. J'espère que cette vidéo sur mon bureau vous aura plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est vos commentaires qui sont vraiment très importants pour moi, j'ai hâte en tout cas de vous lire, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Salut !